Il vous est possible de synchroniser les données contenues dans votre bibliothèque avec le serveur Zotero, ce qui va vous permettre d'accéder à votre bibliothèque Zotero à partir de n'importe quel ordinateur, mais aussi de sauvegarder les données de votre bibliothèque. Pour synchroniser votre bibliothèque Zotero, il vous faut créer un compte Zotero. Pour cela, rendez-vous sur www.zotero.org. Puis cliquez sur Register. Entrez votre nom d'utilisateur qui sera également votre identifiant. Tapez votre adresse email, le mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre compte Zotero, puis cliquez sur Register. Vous allez alors recevoir dans l'adresse de messagerie que vous venez d'indiquer un email de confirmation de création de votre compte. Pour confirmer et valider la création de votre compte Zotero, Cliquez sur le lien qui se trouve dans cet email. Nous venons de voir comment créer un compte Zotero. Pour vous connecter à votre compte, rendez-vous sur le site de Zotero et cliquez sur Login. Entrez alors votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail, ainsi que le mot de passe que vous avez créé. Puis cliquez sur Login to Zotero. Vous pouvez remarquer que votre bibliothèque en ligne est pour l'instant vide car en effet, il vous faut synchroniser les données de votre bibliothèque avec le serveur Zotero. Pour cela, ouvrez votre bibliothèque Zotero, puis cliquez sur le bouton Action, puis sur Préférences. Cliquez ensuite sur l'onglet Synchronisation. Entrez vos identifiants. Enfin, il est conseillé de décocher ces deux cases car synchroniser les fichiers joints de votre bibliothèque avec le serveur Zotero signifie que vous allez synchroniser les fichiers joints à la référence bibliographique. Or, il ne faut pas oublier qu'au-delà de 300 mégas de stockage, Zotero devient payant. Il vaut mieux donc garder vos fichiers en local et ne pas les synchroniser avec le serveur Zotero. Si vous cochez cette case, la synchronisation des données de votre bibliothèque avec le serveur Zotero va se lancer automatiquement. Sinon, vous devrez cliquer sur ce bouton pour lancer la synchronisation. Ça y est, vous pouvez remarquer que les données de votre bibliothèque ont été synchronisées avec le serveur Zotero. Votre bibliothèque est donc directement accessible en ligne ce qui va vous permettre d'y accéder à partir de n'importe quel ordinateur sur lequel Zotero est installé.